Très chère petite fille, je suis on ne peut plus heureuse d'avoir eu tes bonnes nouvelles si vite. Et toi, tu ne m'as pas fait attendre et je me sens mieux. Mais tu ne me dis toujours pas si tu comptes rester encore à New York ou revenir bientôt. Si tu savais comme tu me manques. Mais de toute façon, fais comme tu veux. Moi, je ne suis plus triste, même que je sens que tu ne rentreras pas si vite. Car je ne veux que ton bonheur et je ne veux pas être une mère égoïste. Tu ne m'as toujours pas envoyé les photos. Pense-y, j'aimerais tant les voir. Figure-toi que Lily s'est disputée avec Alain. Ils ne se parlent plus et font semblant de ne pas se connaître quand ils se voient dans la rue. Cette fois-ci, c'est bien fini avec Alain. C'est ce qu'elle dit. Ce n'était pas un garçon pour elle. Elle va t'écrire dès qu'elle aura du temps, mais de toute façon, elle t'embrasse. Comme d'habitude, je souffre des dents. Le 22, j'ai un rendez-vous pour en arracher deux du haut. Il n'y a pas de solution, ni de remède. À part cela, je me sens un peu mieux, je touche du bois. Et le magasin a un peu repris. Les clientes qui viennent voir viennent la plupart du temps et les articles plaisent beaucoup. Papa avait raison, c'est mieux de travailler. Etty est venue dimanche, elle a laissé Daphné attendre Gustave. Depuis hier soir, elle est magnifique et si intelligente. Elle a beaucoup grandi, elle porte bien le pantalon que tu lui as envoyé. Ma chérie, je t'en supplie, écris-nous vite et envoie les photos. Nous t'embrassons très très fort. Plaisir de papa, Sylviane et toute la famille, ta maman qui t'aime. Gracias.